Hobbies, son président Brice Chambard. Bienvenue sur ce plateau, Brice, et bravo. Bonjour Brice, bravo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hobbies, alors quand même, bon résultat spectaculaire, 95% de croissance depuis 13 ans que vous existez. Comment vous expliquez cette réussite? Alors 95% en moyenne, plus 140% l'année dernière. Donc ça s'explique par une équipe managériale vraiment qui est exemplaire, qui est compétente, qui est performante, qui sait aimer ses collaborateurs, qui sait aimer ses clients. Satisfaction client, c'est vraiment au cœur des débats. Et ces évolutions nous ont amenés à utiliser de nouveaux process qui nous permettent, encore une fois, d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Vous avez fait récemment l'acquisition d'Adelia, qui est une solution de fidélisation à destination des enseignes. C'est quoi l'intérêt de ce rapprochement stratégique pour Hobbies? Alors, vous le dites, c'est un rapprochement qui est stratégique pour nous. Ça nous permet d'être présents dans plus de 22 pays aujourd'hui, d'accompagner des entreprises, des têtes de réseau, des villes, des aéroports, des offices de tourisme un peu partout dans le monde. Et pour travailler justement cette relation avec une brique technologique qui est unique au monde et qui nous permet de gérer à peu près 650 millions de flux financiers par an à date. Hobbies, c'est une entreprise à mission. Première good tech introduite sur le marché d'Euronext Growth, comment avez-vous fait pour réconcilier impact positif et croissance économique? Alors, dans l'ADN d'Hobbies, il y a effectivement des missions qui sont notamment en lien avec la préservation du pouvoir d'achat. C'est quand même le problème ou le problème majeur aujourd'hui des Français, mais pas que. Et depuis le début de l'aventure, donc bientôt 13 ans, eh bien, au-delà d'être inscrit dans nos statuts, c'est partagé par l'ensemble des collaborateurs qui ont, pour la petite histoire, des actions gratuites. Donc, tous les collaborateurs d'Hobbies sont actionnaires de l'entreprise. Et donc, tous les enjeux sont alignés avec les différentes parties prenantes sur un sujet qui est travailler la préservation du pouvoir d'achat, la revitalisation des territoires, le soutien de l'emploi. Et donc, en étant aligné sur des valeurs, en étant amoureux de ce que l'on fait parce que ça a du sens, eh bien, on se lève et on travaille avec plus d'efficacité que quand on arrive peut-être au travail avec beaucoup moins de sens. Merci beaucoup, Brice. Merci, Chambard, bravo, Brice. Président d'Hobbies.